dans le process de mettre mon manager au niveau management senior. Donc, on a un senior manager nommé, M. Amor Novop Singh, l'administrative manager, sous qui toutes mes responsabilités administration qui peut tomber, donc il y a HR function, personnel, tout ça peut tomber sur lui. Pour même les autres membres, on est dans le processus de sélection. Moi, je dis hier, c'est un grand structure là-bas, donc il faut pas appeler les temps. Alors, il y a les autres managers encore pour nommer. Il y en a en tous six. Il y en a trois principalement qui disent nommer. Et peut-être d'ici dans deux semaines. Certains nous perdent l'advertise internally. Par exemple, il y a un groupe par contact nous perdons. Ça nous fait advertiser en interne. Et les restes, il y a différents départements. Il y a un gaming department, c'est le senior manager. Il y a un slot department, c'est le senior manager. Il y a un groupe par contact. Après, il y a un internal controller. On dirait qu'il y a un reste qui peut nommer dans deux semaines. Tous les tout pour nommer, c'est tous les cinq restants qui peuvent nommer ou bien... Il y a une ligne du process. Par exemple, là, nous avons un advertise pour le groupe accountant. Donc, il y a plus que deux semaines. Entre-temps, comment la dernière fois, on a expliqué, nous avons un arrangement que nous avons un officier en charge. Jusqu'à ce que le nouveau management team n'a pas finalisé. Nous n'avons pas capable de tirer un officier en charge. Parce qu'il y a quatre casinos qui peuvent tomber subis. Jusqu'à ce que le nouveau management team n'a pas finalisé, le officier en charge ou reste officier en charge. Je n'ai pas fait trop ce qu'on prend approche l'union. Donc, on me demande de compréhension, hein, parce que n'importe quelle organisation, quand on a 4 casinos, on a 750 du monde, quand on est allé dans une des semaines, on dit que c'est tout dans du monde qui l'a, après, on met un nouveau du monde. Il prend un peu le temps pour réorganiser. Donc, je dirais, monsieur Pondidjan, c'est un empire. Il y a une ministère de travail. L'une vient dire qu'il veut faire quelque chose, qu'il ne veut pas le faire. Qu'il veut dire à nous, nous allons nous prendre patience. Et la question qui, moi, m'a posé, c'est est-ce qu'il nous peut croire une menteur? Ce monsieur-là est payé 350 000 roupies pour faire ce travail. Ce travail, c'est quoi? Ce travail, c'est assurer que les casinos de Maurice soient gérés convenablement. Si l'une d'accord avec nous, devant le ministère, qui disait tirer Mme Chandaram, un protégé politique, depuis ce poste. Ça veut dire, c'est un du monde qui me reconnaît qu'il y a une responsabilité, qui me prend un engagement avec le syndicat devant le ministère du Travail, qui d'ici fin janvier, il peut tirer une madame incompétente, loin de poste, quand il peut faire beaucoup de fracas, beaucoup de dégâts. Ça ne veut pas me faire lui d'ici fin janvier. Ça même du monde, hein, M. Pambidjan, comment me dire où, il est payé 350 000 roupies pour faire ce travail. Il n'est pas dans les chiffres de ce travail, il se passe en janvier pour des raisons politiques. Je peux oblige nous, rentre dans une action violente, nous peux organise nous pour nous rendre dans la rue de la fin. Même si c'est une date le 6 mars, et a priori, à partir du 6 mars, nous pouvons finir prêt pour nous rendre dans la rue de la fin. Comment tu veux nous faire la grève? Alors, justement, c'est ce qui était déterminé dans sa réunion, voilà. Il vous dépend encore une fois de qui conseille pour gagner, hein. Parce qu'il faut des gens travailler là, car il y a un congé pour nous faire des affaires, parce qu'en classe, pas de 120 jours pour dire, je ne suis pas en train de jeter.